à tout le monde, tout dépend de qui a regardé la vidéo. Nous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes mes frères Oudi Chéri, ancien spécialiste en information et technologie. Je voulais partager avec vous quelques risques qui gagnent à utiliser le public Wi-Fi et comment on peut faire pour protéger tête. Tout à l'heure, je vais vous montrer les risques et comment on peut faire pour protéger tête et brancher qui n'a pas tout de suite. Imaginez que vous venez à un hôtel où il y a un signe mien qui marque Wi-Fi gratis. Et vous avez un travail pour faire pour comparer ou bien l'école ou quelqu'un, ou aller laptop ou connecter et pour commencer le travail. Seulement connecter sur Wi-Fi public, là, c'est un gros danger parce que l'information qui est sur le computer ne devient pas en sécurité. Pour qui ça? Parce que le protocole Wi-Fi n'a pas qu'à vérifier exactement sur Wi-Fi ou devrait connecter, c'est sur les mêmes connectés. Yon moun gen dwa nan yon lot chanm, li kreye yon fou rezo e aparel elektronik ou an ap konekte a fou rezo a ou li dekonekte sou bon rezo a. Sa se paske aparel elektronik yo otomatikman konekte sou rezo ki pi fò ou zanantou yo. A ki sa fou rezo an fèt? A ki yon aparel tankou yon Wi-Fi pay nan bro, yon pirateur gen dwa kreye yon fou rezo pou kapte e analize trafik internet ou. Tan kou, ou mot de passe Facebook ou mot de passe compte bancaire et même ouais numéro crédit card ou. Les connectés sur un réseau, appareil ou fait partie des réseaux. Tan kou, li ka wè et communiquer avec tout l'autre appareil électronique qui connecté sur même réseau avec. Est-ce que ça facile pour pirater appareil? Normalement, pirater un pas compte comment dans qui point pour passer pour pirater appareil électronique ou. Mais il y a une application qui est capable d'utiliser pour scanner tout appareil qui est connecté sur le même réseau avec et identifier le point faible. Ça veut dire le point côté pour pirater l'appareil. On faut parler des websites. Ce n'est pas tout website ou visiter pour faire confiance avec information personnelle. Ou bien ce n'est pas tout app ou télécharger pour faire confiance avec information personnelle. Lorsque vous téléchargez une app, vérifiez que l'app est en sécurité avant de l'utiliser. Mais si vous connectez sur un faux réseau, les gens qui cachent des faux réseaux ça, ont une capacité pour réorienter les recherches. Si vous allez sur facebook.com, vous avez une capacité pour réorienter les recherches ça, aller dans un autre qui semble avec Facebook et leur montrer information pour login et information ça va aller directement chez un pirateur. Vous allez attaquer ça à IDN comme graph attack. Comment nous faire pour nous protéger tête nous? Ou qu'à investir dans un bon plan téléphone qui gagne un hotspot là-dedans, l'on a besoin d'utiliser internet pour connecter sur hotspot. Connexion ça sécurisé, y'a pas qu'à pirater. Ou qu'à toujours utiliser Wi-Fi public, mais utiliser VPN pour protéger connexion. Connexion VPN là, les sécuriser, moun pas qu'à pirater. VPN veut dire Virtual Private Network. L'on utilise VPN, pirateur pas qu'à ouais soit abrégé dans internet là. Mais fournisseur VPN là capable. C'est ça fait, l'on choisit VPN, ou besoin choisir un fournisseur qui a une bonne réputation. Pour nous finir la vidéo ça, n'a conseillé éviter Wi-Fi public, utiliser VPN, toujours update appareil. Comme ça, a bien moins chance pour pirater appareil. Si vous trouvez la vidéo ça aide, n'a pas de vous partager la avec vos amis, faites petit bouton like là et abonnez à la chaîne l'Évangile à Gogo. C'était Oudi Chéri, spécialiste en information technologie pour l'Évangile à Gogo.